Est-ce que tu es inquiet pour le PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas ce n'est pas le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pour une partie. Alors, est-ce que tu es inquiet pour le PSG? Le PSG, en 3 journées, ils ont 5 points, 2 matchs nuls et une victoire. Et il vient de tirer en Ligue des Champions Dortmund, le Milan AC et Newcastle. Franchement, ce PSG-là, pour l'instant, je suis un tout petit peu inquiet parce que, certes, il y a du jeu, mais au niveau des résultats, ce n'est pas trop ça sans quoi on retâche. Et j'espère vraiment que Luis Enrique va vite mettre les batteries en marche parce que ce PSG-là, si ce PSG-là joue comme ça en Ligue des Champions, ils auront du mal à battre les équipes. Je pense notamment à Newcastle qui met beaucoup de l'intensité. Donc, si ce PSG de Luis Enrique joue ainsi, ils auront du mal à battre Newcastle. Ils auront du mal à battre des équipes comme Dortmund qui sont très rapides en transition rapide. Donc, ce PSG doit élever sérieusement son niveau s'il veut espérer quelque chose, surtout en Ligue des Champions. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es inquiet pour le PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.